Pour l'année 2017, là, nombre de dossiers que l'inspection générale te recevoir, il était au nombre de 877. Parmi 877 dossiers, ça a été gagné 804 plaintes, tu gagné 25 saisines d'office et tu gagné tout 48 rapports externes. C'est-à-dire, ces rapports qui sortent dans la direction départementale ou bien dans, en fait, dans différentes directions, soit direction centrale ou direction départementale. Enquête qui était l'ouvrie pour moi, en fait, pour l'année 2017, là, au total, c'était 854. Tandis que dossier inspection générale traité, dossier que l'inspecteur général en chef signé et expédié au directeur général, il était au nombre de 809. Parmi 809 dossiers, ça a été gagné deux demandes de réintégration qui approuvées, mais il y a trois demandes de réintégration qui pas approuvées. Plainte ça a que nous recevoir pour l'année 2017 au nombre de 804, il y a été porté pour différentes allégations. Par exemple, agression, il y a bastonnade, il y a menace, tout. Il y a 46 abus de confiance. Tu as un conflit conjugal, tu as un tout dette escroquerie, tu as un tout 16 plaintes pour tirer injustifié. Donc c'est un peu dans la plainte que l'inspection générale te recevoir pour l'année 2017 qui était au nombre de 804. Ça c'est le graphe qui expliquait, en fait qui traduit quantité. Pour quantité plainte ça yo, avec dossier ça que nous recevons pour l'année 2017 là, l'inspection générale est arrivée à faire 1779 convocations, 1852 auditions, 333 enquêtes de voisinage, 368 invitations, 305 convocations, 133 médiations, tu as gagné tout 47 levées de mesures d'isolement, tandis que tu as 39 mesures d'isolement qui te prend pendant l'année. Ça. Graphe, ça, c'est l'expliquer exactement 809 dossiers qui signaient et expédiés au directeur général. Pic là, c'était en janvier 2017, qui était au nombre de 90. Les d'abord, font descendre pour arriver dans 83 en juillet et en août, c'était 71, et puis octobre et décembre, c'était 70. Quand c'était plus faible, c'était 49, qui était fait en novembre 2017. Donc au total, 809 dossiers signés et expédiés au directeur général au cours de l'année 2017. Comparativement à l'année 2016, donc en 2016, c'était 767, tandis qu'en 2017, c'est 809. Donc, il y a une différence d'une quarantaine. Recommandation qui gagne dans le dossier ça, qui est signé et traité, envoyé au directeur général, tu as gagné 14 avertissements, tu as gagné 29 transferts, tu as gagné 301 dossiers qui étaient classés. Dossier ça, pour qui ça demande de classer, c'est parce que l'enfin traité, pas de gagner matière pour te poursuivre les policiers. Par contre, il y a 82 dossiers qui étaient transférés au parquet. Et de gagner 484 avis au plaignant. Donc c'est chaque fois que l'inspection générale fait enquête, li, le c'est plaignant qui devine pour des plaintes, il y a pour devoir pour informer plaignant de qui ça sorti dans la plainte que le dépôté a. Plainte que nous recevons pour mois janvier 2018, il y a au nombre de 52. Parmi 52 plaintes, il y a un qui pote pour agression, il y a 10 qui pote pour menace, il y a 5 qui pote pour dette, il y a 8 qui pote pour refus de prendre soin, il y a un tout pour refus, en fait, pour refus de, en fait, pour tentative d'assassinat. Ça, c'est grave, qui parlait de dossiers que nous recevons, plaintes que nous recevons. En fait, acte d'enquête qui est réalisé pour mois janvier, par rapport à l'ensemble de plaintes que nous recevons, il y a au nombre de 525 qui répartissent comme ça, 133 convocations, 115 auditions, 24
enquête de voisinage, 20 invitations, 16 confrontations, nous avons fait 8 mesures conservatoires et nous avons fait 9 levées de mesures conservatoires et nous avons fait tout une mesure d'isolement. Donc, nous avons également une levée de mesures d'isolement. État des dossiers pour le mois de janvier, j'en dis en plein trois, c'était 52. Nous avons saisi une office également qui était au nombre de 8 et un rapport externe qui était au nombre de 15. Nous disons déjà que le rapport externe, c'est le rapport qui sortit dans les différents. Dans les différents départements, dans les différentes directions. Donc, au total, ça fait nous 75. Et pour 75 et dossiers, ça y est, il y a 51 enquêtes qui l'ouvrent. Et quantité de dossiers que IGC signe et envoie au directeur général, il y a un nombre de 54 pour le mois de janvier 2018. Et nous gagnons tout. Il y a une mesure d'isolement. Nous avons bientôt en mesure d'isolement pour le mois de janvier 2018. Donc, recommandation suite aux enquêtes, nous faisons recommandation de 5 mises en disponibilité, 16 suspensions, nous avons 3 transferts, et nous avons fait tout 33 avis aux plaignants. Donc, c'est-à-dire, c'est chaque fois que nous finissons traiter dossier, nous sommes tenus à expliquer plaignants, à les plaignants pour nous dire mais qu'est-ce qui fait dans le dossier-là. Donc, ça, c'est grave qui. Expliquer quantité dossier. Nous avons parlé sur le carnaval 2018. Qui ça, l'inspection générale a constaté? Dans l'ensemble, l'inspection générale a constaté un bon comportement de la part des policiers qui déployaient sur le carnaval. Et ceci durant toute période festivité. Nous avons des équipes également qui étaient déployées à Jacmel, au Gonaïve, à Port-au-Prince. Et à Port-au-Prince, depuis le dimanche pré-carnavalesque, en vue de superviser le dispositif et le comportement des policiers sur le terrain. Nous avons constaté que les policiers ont fait preuve de professionnalisme, ont gagné en discipline en fait, qui était régnée pendant que M. Damio a fait travail. C'est l'occasion pour l'inspection générale féliciter et encourager chaque responsable. Et chaque policier qui était déployé sur le parcours et qui permet que tu aies une très bonne réussite de grandes manifestations culturelles. Activité ça c'est pour nous montrer société, pour nous montrer tout parent si monde qui atteint de cancer, tout si monde qui a souffri à cancer, que yo pas pour compte yo, que gen un côté dans pays qui disposé et disponible, qui gon staff qui pour accueillir yo, qui pour encadrer yo, cap ba yo diagnostic, cap ba yo un traitement adéquat avec maladie cancer que yo gagné yo que y a souffri. À travers l'activité, ça, combien de temps on a recevoir et qui fait blessure? Bon, de 2004 à 2018, nous avons diagnostiqué plus de 450 personnes qui gagnaient diagnostic maladie cancer qui confirmé. C'est et pronostic et mondial, là, il dit que sous chaque 100 000 personnes de plus d'un an, il y a 14 qui ont souffert de maladie cancer. Okay? Ça, c'est une statistique internationale. Mais pour ça qui est en rapport avec le pays d'Haïti, chiffre alarmant, parce que dans les 5 prochaines années, nous avons supposé gagner 500 nouveaux cas de personnes cap développe ou bien plus, OK, 500 nouveaux cas ou plus de personnes qui cap développer et cap privé et ici là avec maladie cancer. Maladie cancer là tant que moi dit tout à l'heure, hein, li pa gen l'âge, li pa gen sexe, li frappe tout monde, ti bébé et ti monde qui l'école, ti monde qui en âge adolescent, grand monde, li pa gen li frappe toute qualité monde, monde riche, monde pauvre.
Donc c'est une maladie qui besoin vraiment support, OK, et toute société pour nous arriver combattre, éradiquer et arriver traiter ti moun kap souffri de maladie ça. Bon, et scientifique yo pas découvri une cause précise pour maladie ça. Mais seul bagay mwen ka di nou et moun kap fè recherche lan domaine lan, yo di que 5% de ti moun avec cancer li gen une cause génétique héréditaire. Ça veut dire gagne ou soit papa ou soit maman transmettre ti moun nan gen lan ou bien tous les deux ka transmettre ti moun nan gen lan et qui fait que l'on moment donné et sous influence de un pile et circonstances ti moun sa et river développer maladie cancer. On parle de cancer chez l'enfant, essayer de catégoriser différents types de cancer que nous avons. Tout corps c'est un ensemble de cellules. Donc tout côté qui a cellules et développer maladie cancer, d'accord, et ou ka gen cancer la tête, c'est ça yo rele cancer dans cerveau, ou ka gen kokou ou ka bon comme nous pressé nous pa ka wè tout ti moun yo là, nous gen toute forme de cancer, nous gen cancer la sang, nous gen cancer la rein, nous gen cancer la yeux, nous gen cancer la foie, nous gen cancer même la colon qui sont cancer très rare ka ti moun yo, et anesa nous te découvri un cancer colon ka un ti fi. Nous gen cancer la ovaire, nous gen cancer la prostate, la testicule, c'est pas même cancer prostate que on adulte fait, mais son l'autre type de cancer prostate que on ti moun ka fait, OK, et nous gen cancer, nous ka gen cancer la yeux. Donc kokou wè pa gen aucun côté l'encore qui vraiment échappé à maladie cancer. C'est dangereux au même titre. Et oui, et dépendamment oui et non, dépendamment et l'en quittant qu'on découvrit, parce que moi t'ai dit ça en dedans, tant diagnostic l'a fait de manière précoce, tant ou gain plus chance pour guérir d'une maladie cancer. Tant ou fait diagnostic l'a pita, chance l'a piba pour venir guérir de maladie cancer. Et bon, et dans le monde, il y a parlé de c'est dépendamment du groupe d'âge, OK, mais maladie cancer l'ensemble, c'est lui-même qui est plus fréquent. Là, dans l'hôpital Saint-Damien, depuis quelques années, nous finissons par voir que nous avons un pile de monde qui fait malade. Nous diagnostiquons un pile de monde qui avait maladie cancer l'ensemble. L'année 2017 qui s'est passée, nous avons 12 nouveaux cas de monde avec le SEMI. C'est-à-dire cancer. Nous gagnons 45% de survie. Ça veut dire. Sur chaque 10 personnes que nous traitons, nous sauvons 4,5 personnes. C'est ça veut dire. D'accord? Ça, c'est ton survie. Pour éviter maladie. Prévention alors. Bon, c'est prévention qu'on fait cas adulte, ce n'est pas la même bagaille. Parce que cancer cas adulte ou cas éviter. Mais cancer ka ti moun ou pas vraiment ka éviter. Mais seul conseil moi-même moi ka bay population, hein, c'est mener une vie saine. Ça veut dire bon une diète assez équilibrée, OK, qui pa gen en pile épices artificielles, en pile sel, en pile magi, pour yo gayer, pour yo faire en pile sport, OK, pour yo pas fumer, pour yo pas boire alcool, maman ti moun yo, pour yo allaiter ti moun yo, faire allaitement strict depuis 6 mois. Donc si moun ta prend pour ta ba nou et tout bagay là et quitter ka faire ou moun éviter maladie cancer, il t'a vraiment long, mais nous penser que ça me so di yo, ce sont des conseils primordiaux qui ka mettre ou moun sur une vie saine qui ka éviter ou développer maladie. À l'âge de 12 ans, moi j'ai eu 20 ans qui t'a monté, me bat contre salter, t'as l'hôpital avec moi et puis j'ai appris que moi j'ai eu un cancer. Et puis j'ai venu là avec moi, j'ai suivi chimiothérapie et j'ai cheveux m'étaient tombé tout ça. Quand y a là, moi guéri de cancer là. Moi c'était très difficile, mais heureusement famille m'était côté moi. T'as aidé moi. Moi pas de cas qui me comme moi t'ai gain vomissement diarrhée vire retourner moi t'ai gain tête virée, donc il était un peu difficile pour moi. Au moment ça on va sentir non moi quand ça exactement
je ne sais pas. Combien de temps tu as fait avec l'humain? J'ai fait 3 ans de traitement. D'accord, merci. Non, pas, c'est Sabine Edmond. Sabine Edmond? Oui. Quand j'ai 20 ans. Comment expérience? Ben, l'expérience était vraiment dure, j'étais vraiment affamée et émue. Je vis avec elle depuis 10 ans. J'ai 13 ans, je suis en 8e, dans 9e. Je fais un diagnostic qui est l'adénocarcinome du côlon ou bien cancer du côlon. Et comment tu as expliqué ça sur la question du numéro? Comment ça a été? Bon, ça a été vraiment dur. Ça fait perdre 6 mois à l'école. Qui me sent bien pour l'objet? Ben, m'a dit au fait même j'avais pas découragé parce que la vie pas finie. C'est une belle occasion côté que nous accompagner de directoire observatoire de la jeunesse haïtienne qui eux même qui ont structuré dans la société civile là jeunes qui gagnent ensemble de avant projet de loi que eux même étaient voulu déposer dans le parlement mais comme on connaît la procédure là ils pas gain de rentrer au niveau de parlement comme ça. Je devrais passer par des parlementaires qui pour apporter le dossier ça au niveau du Parlement. Et pour ça, je devrais faire de manière solennelle. Côté, il y a invité des jeunes au niveau de tout le pays hein, qui ont centaines qui viennent là ensemble. Donc, c'est un symbolique pour remise de texte et de députés, de sénateurs qui engagés pour capable transformer avant pour ça en proposition de loi et qui vous permettre que vous capable voter au niveau du Parlement haïtien. Voilà, c'est raison d'être et activité à jeudi au niveau du Parlement haïtien. Au fait, l'observatoire a gagné environ 10 avant projet, mais cependant, gagné au niveau du Parlement, gagné 4 parlementaires qui, sénateur Diepi a porté 3 propositions, moi-même député Amilcar a porté 2, gagné député député Louis-Marie Bonhomme qui a porté une proposition. Donc au fait, gagné 7 sénateurs Nenel Kassitou qui a porté. Donc qui aime quitter Stanley lui-même qui un peu moins une question en termes de proposition et qui a dit non, au fait, reste mon parlementaire qui a porté proposition. Mais cependant, nous connaissons qu'il y a environ 10 propositions de loi que le secteur a même travaillé sur et qui remettent, donc, suite à avoir fait avec le cabinet technique, tout, vous travaillez sur avant le projet ça, pour permettre de transformer au niveau du Parlement. Un an de travail, un an côté, nous avons décidé pour nous capables, en atelier, organiser ensemble de rencontres avec des structures de jeunes pour nous capables d'abord regarder qui ça. Problèmes qui viennent dans le secteur et par rapport à ensemble de problèmes, ça qui proposition que nous avons fait. Comme groupe de pression qui est dans la société civile là, qui défend l'intérêt jeune, nous pensons que ce n'est pas important seulement pour nous faire pression sur l'État pour demander, mais il faut nous proposer l'État et qu'il est capable d'accompagner le travail que l'a fait. Et ça fait nous-mêmes n'avons pas accompagné le Parlement, le travail pour légiférer. Dans ce sens, nous avons une dizaine de textes de loi effectivement que nous déposé, j'ai que une députée, vice-président Myriam Amilcar a supporté l'initiative ça et qui ensemble de textes l'a porté et annoncé ça. Il y a plusieurs textes et je suis capable bon, brièvement quelques textes qui sont importants et tout texte concernant la jeunesse. Il y a un texte qui a rapport à la création du bureau national pour l'emploi des jeunes. Et pendant la consultation que nous avons au niveau du Parlement pendant l'année 2017, là, surtout en octobre, nous avons constaté qu'il y a dans la loi de financement une structure qui est créée au niveau du ministère Jeunesse pour l'Action Civile, qui est le Bureau national pour l'emploi des jeunes, qui est créé et qu'il y a un fonds qui est disponible pour lui, là, dans le budget. Or, pas aucune loi qui régit le fonctionnement ou l'organisation de structure pareille. Et donc, nous avons pensé que c'est important pour nous être capable de tout profiter si il y a un fonds qui est là, mais dit, mais qui gens pour l'organiser, mais qui gens pour le créer. Donc c'est une des textes que nous avons. Nous avons plusieurs textes qui concernent l'activité qui est les préfac. En Haïti, les préfac sont cours intensifs que les jeunes qui sont dans la filoa prennent pour préparer le concours d'admission dans l'université. Et
pas aucun texte qui régule le fonctionnement activité ça. Or, il y a des milliers de jeunes qui sont tout partout, en dans pays à venir en dans Port-au-Prince pour préparer concours d'admission dans UH particulièrement. Nous avons 15 000 bacheliers qui finissent par année, l'université a seulement 3 000. Donc, jeunes veulent aller côté pour préparer concours. Or, pas aucun texte régulé ça pour protéger les gens, pour leur sortir dans le filo, pour ne pas payer trop de cobs, hein, mais tout pour assurer que les gens qui ont fait cours dans le préfac, c'est des gens qui ont de formation adéquate pour ça. Donc, c'est plusieurs textes que nous déposons, qui ont un rapport bénévolat et volontariat pour permettre que les jeunes soient capables d'une expérience et valider l'expérience. Il y a un rapport avec le succès CNEC, National Education à la Citoyenneté, parce que nos politiques d'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est tout élément ça qui nous touche et nous déposer le texte. Et nous content, nous avons des parlementaires qui, à bras ouverts, choisi le texte. Qui, je viens de dire, dans la séance symbolique, là, nous déposer le texte. Mais nous avons suivi pour le faire au niveau du bord d'observatoire avec le cabinet technique pour capable améliorer. Mais tout assurer que le texte est voté au niveau du séance. Mais pas seulement voter, leur fin voter, leur fin passer dans l'agenda législatif, là, année 2018, là, mais nous capable. Appliquer et appliquer dans toute transparence. C'est ça des marchands, des centaines de jeunes qui sont dans différentes régions d'un pays. Et nous saluons des marchands, ça pour clair que les jeunes voulaient participer tout bon vrai dans changer les conditions de la vie dans un pays. Depuis plus de une année, loterie de l'État haïtien gâté fanatique Lio a organisé plusieurs activités. Activités sa yo, gen la dan yo, et ce tirage, et dans le tirage, l'année passée, nous avons fait plusieurs millionnaires. Nous avons fait 4 millionnaires en tout l'année passée. Et dans le cadre 90 ans d'existence et institution loterie de l'État haïtien, nous avons clôturé une série de tirages millionnaires que nous avons fait. Mais nous comprenons également la nécessité qui a été pour, dans l'occasion de l'activité et festivité carnavalesque, pour ne pas quitter la population comme ça. C'est dans ce sens que nous avons mis sous pied un tirage qui n'est pas un tirage millionnaire, mais c'est un tirage quand même. Il n'est pas un tirage millionnaire parce que le prix, ce n'est pas un million. Mais c'est un tirage parce que l'activité a été faite autour de carnaval là, nous avons l'activité ça, Boule Mardi Gras. Et Boule Mardi Gras, tant que gens nous sommes, ils sont faits là. Et nous avons donné un pile prime qui sont tirés avec des partenaires. Jean Nouéa, c'était 3 lots. Et troisième loi, c'est 25 000 piastres. Deuxième loi, c'est 50 000 piastres. Et puis, premier loi, c'est 100 000 gouttes. Ah, mais bon. Et je nous remédie dans l'autorité de l'État haïtien, c'est pas. Ou pas gagner sous page. C'est gagner pour gagner. Maintenant, pour gagner, c'est jouer pour jouer. Maintenant, si pour gagner, habitué, jouer. Prends habitude, jouer toute activité, toutes les fois que l'autorité de l'État haïtien en fait tirage.